nous suivre sur Instagram, on vient d'annoncer la nouvelle qu'on va lancer une boutique. C'est la première fois qu'on lance une boutique physique pour le mois de novembre et décembre. Et là, c'est notre charmant Alex. Alex qui est juste ici. Qui nous a trouvé la boutique. OK. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est qu'il nous a dit « Je viens de trouver la boutique et là, vous avez 3 semaines pour la monter. » 3 semaines, OK? D'ailleurs, ici, c'est Marie-Lou. Allô! Puis ça, c'est notre designer. Fait que Marie-Lou va faire le design du magasin. Hein, Marie-Lou, t'as 3 semaines. Hey, super, hein? Grouille-toi! Puis nous, chez Pop, on adore les nouveaux projets. Quand on n'a pas de nouveaux projets, on capote. Puis là, on n'en avait pas, fait qu'on s'est dit pourquoi pas en créer un pour Noël. Fait que c'est ça, c'est pour le mois de novembre et décembre, la période des fêtes. Dans la boutique, ce qu'on veut faire, en fait, c'est on veut faire une grosse chambre. Fait que ça va être une chambre géante. Puis dans la chambre, il va y avoir différents brands. Fait qu'il va y avoir d'autres brands. Un brand de chandelles, un brand de linge. Évidemment, il va y avoir Pop des sous-vêtements, il va y avoir Happy des bijoux. Fait qu'il va y avoir quelques brands comme ça. Excusez, j'ai tellement de choses à dire. Je suis un petit peu énervée parce que le temps file et le magasin doit avancer. Fait que je vais vous montrer un peu l'état du magasin en ce moment. Il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on veut faire, c'est, comme je disais, une grosse chambre géante. On veut faire un peu un monde imaginaire. Tout le plafond, on veut faire un gros nuage. On veut des nuages en avant. On veut des tapis funky, des coussins colorés. Fait qu'on veut vraiment créer un vibe. Fait que voilà, je vous montre ça à l'instant. On est dans les cours Mont-Royal à la hauteur du métro. Fait que ça, c'est notre petite porte. Ça, c'est notre beau magasin. Puis là, je vais vous expliquer un peu à quoi le magasin va avoir l'air. Fait qu'ici, il va y avoir un mur pour faire de la photo avec des nuages qui vont tomber du ciel. Tout le plafond ici va être en nuages. Fait qu'on veut vraiment comme faire un petit environnement avec le lit qui va être ici. Ça va être, comme je disais, une grosse chambre. Il va y avoir le lit, il va y avoir des brands de linge ici. Il y a un autre mur ici pour d'autres brands. On aimerait ça mettre ici un gros cornet de crème glacée ou peut-être un popsicle géant. Ça, ça va être le néon, fait qu'on va marquer le nom du local, c'est le Pop Panneur. Puis là, ici, c'est des cabines d'essayage. Ça, c'est moi. Ça, c'est Alex. Et ça, c'est Marie-Lou. Hello! Tu es prêt pour faire ton découpage? Je comprends pas ton pinceau. C'est sûr que ça tombe, Alex. Là. C'est sûr que ça tombe. Ça passe. Ça passe. Ouais. Let's go. C'est sûr que ça vole partout. Là. C'est l'air. Allez, complète, yes. Alex, ça, c'est ce qu'on appelle faire une job de merde. Hey, le tabarnak, je juge pas mon découpage. On vient de recevoir notre mousse pour faire les nuages, guys. What? Hey, ça, c'est de la mousse. Hey, il nous a assez. Moi, j'allais te prendre 2 boîtes. Hey, Alex, merci pour le ménage hier. Oh my god! La femme de ménage. Merci, continue. Oh my god! Woo! Ceux qui savent pas, notre store ça va être comme une grosse chambre géante. Puis on veut aussi que ce soit un peu un monde imaginaire avec plein de bonbons partout. Puis quand les clients vont rentrer, s'ils font des vidéos dans le store, ben on a droit à un paquet de bonbons gratuits. Fait que là, ce que je suis en train de faire, c'est un suçon géant, la gang. J'ai jamais fait ça, fait que j'espère que ça va être nice. En gros, on a pris des nouilles spaghetti. Puis là, on l'a tourné comme ça pour faire comme un suçon. Là, je vais le recouvrir avec du papier journal. Puis comme quand on était jeune, genre de l'eau avec de la farine pour que ça colle. Et après, on a comme un gros bâton de bois qu'on va mettre après. Là, ça fait un gros suçon. Fait que moi, je suis en train de faire ça, puis on va le peinturer d'une couleur. On sait pas encore quelle couleur, mais une couleur comme pastel. Et là, Marie-Lou et Alex, ils font le ciel en nuages, mais ils ont acheté comme plein de watts, puis ils vont le coller au plafond, puis ils vont mettre de la couleur après par-dessus avec des lumières à l'intérieur. Ça va être insane. La watt, ils sont en train de toute la coller au plafond, comme ça. Ça va être insane. Puis là, à mettre de la colle comme en spray. Hey, ça va être tellement nice! Je suis down! Ça va être...
Fait que là, je viens juste de finir de mettre tout le papier journal sur mes petits bonbons. Fait que je vais attendre que ça sèche. Après, on va tout le peinturer. On sait pas encore la couleur qu'on va le faire. Puis c'est ça le bâton que je parlais. On va accrocher le lollipop là. Puis on va mettre le gros suçon ici. Ça va être insane. Là, faut attendre Marie-Lou pour finir le plafond en nuage. Mais Alex, il a commencé le coin ici en nuage. Checkez ça, la gang. C'est malade. Yo, c'est tellement sick! Fait que là, ça va être tout en nuages, avec des nuages qui pendent du plafond. Puis là, les tablettes, moi puis Alex, on s'est dit que ça serait fou de genre mettre des nuages comme ça, tout sur les fils, puis en mettre ici et en dessous. Fait que ça va faire comme des nuages ouais, flottants. Hey, c'est beau, là, tout ça, là. Wow, ça va être sick! Qu'on va accrocher là, qui vont se suspendre. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'on a pris genre des plats de plastique comme ça, on les a recouverts de genre watt. Puis là, en dedans, on va mettre des lumières. Fait que les nuages vont éclairer, ça va être insane. Puis on va pouvoir changer les batteries parce que on va mettre le plat de même, le top de même. C'est tellement intelligent, je sais pas trop quoi dire, là, mais c'est juste intelligent. Alex! Il reste une semaine avant l'ouverture du magasin. Guys, une semaine. J'en reviens pas qu'on ouvre le magasin dans une semaine. Pour vrai, on n'a pas tant fini. On est quand même avancé, mais on n'a pas tant fini. Je suis essoufflée parce que je viens d'arriver au IA puis je cours partout. Il y a quelques petits trucs qu'il fallait que j'aille acheter, genre les rideaux. On a acheté des rideaux roses pour les cabines d'essayage, mais pour vrai, on les a comme installés puis c'est vraiment pas beau. C'est genre, ça a l'air comme en plastique un peu, rideau de douche, genre, fait que c'est vraiment, vraiment pas super. Fait que je suis retournée au IKEA pour essayer d'aller chercher une autre couleur. Puis vu qu'on a comme beaucoup de roses en magasin, puis on a peur sur toutes des tons de roses différents, ben j'en ai pris des bleus. Fait que voyons voir si c'est beau, genre bleu velours, ils sont vraiment, vraiment beaux. On avait commandé aussi sur Amazon une couverture pour le lit, mais on l'a pas encore reçu. Fait que là, je vais voir qu'il y a aussi, si il y en a, genre d'autres couvertes. On pensait à un petit jaune par sur le dessus. Fait que je suis là présentement, je vais essayer de trouver ça. J'espère que je vais en trouver. Sinon, je sais pas trop ce que je vais faire. Aussi, on est allé acheter des petits miroirs pour mettre dans les cabines d'essayage. Fait que je vous laisse parce que j'ai bien de la job. C'est ça, je suis au Kia en ce moment. Puis là, il y a Marie-Lou et Alex qui sont en train de peinturer le mur de fond du magasin. Fait que j'ai hâte de voir ça en revenant si la couleur est on point. Ok, on a vraiment une question existentielle, la gang. Là, vous en rappelez, on a fait le mur comme ça. Comme le mur nuage photo avec plein de couleurs. Parce qu'on attendait un tapis avec des couleurs qui ressemblaient un peu, mais différentes. Mais finalement, notre tapis, c'est juste jamais rendu. Fait qu'on en a acheté un autre. Qui est quand même vraiment nice. C'est juste que c'est pas le tapis qu'on attendait. Fait que c'est ça, je vous montre, ok? Puis ce tapis-là! Il est insane, pour vrai, les couleurs sont insane. On va avoir une chaise rose qui est là. Ça, c'est la chaise blanche qu'on va mettre ici. Puis on a une table qu'on a peinture en jaune, mais sûrement qu'elle va finir bleue. Parce qu'on n'est pas sûr. Mais là, je vous montre le problème. C'est que, bon, vous voyez les couleurs de ça. Puis là, checker comment ça clash avec le tapis. Genre, c'est comme, on dirait que c'est un peu le même fond, mais qu'on a raté. Fait que là, on se demandait, est-ce qu'on rajoute du jaune pour essayer d'aller chercher le jaune du tapis ou on le fout un peu tout en bleu. Mais là, l'affaire, c'est que il y a des spots roses, fait que le bleu sur le rose, ça va donner du mauve. Fait que là, ça va être un peu un ciel bleu et mauve. Mais au moins, on va pas avoir essayé d'imiter un tapis qu'on n'est pas capable d'imiter, genre. Fait que c'est ça. Puis on a des éléments mauves quand même. Dans la valaine, ici on a du rose. Ça va fitter, va. Qui fait qu'on le met bleu? Ouais. Mais on a découvert que Vainé avait une phobie, la chromaphobie, c'est la peur de mélange de couleurs. Donc, si jamais vous avez des trucs à faire, des rénovations, demandez jamais à Vainé. Never. Never. Never, bitch. Ever. J'ai jamais vu quelqu'un hésiter autant pour des couleurs. Oh. Guys, je fais de l'anxiété de couleurs. C'est comme, on est pour que les couleurs fit. C'est pas de ma faute. Genre, j'ai du goût. C'est tout. Ok, bye. Fait que finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rajouter du bleu. Fait qu'on dirait que ça camoufle un peu les spots blancs.
Puis je vais vous montrer tantôt là, mais bref, on a décidé de mettre du comme vert bleu. Puis le rose là, on va comme le recouvrir un peu avec du blanc. Fait que je pense que ça va atténuer le rose, ça va être chill. Je pense que ça va être chill. Hey, c'est le temps de manger la gang. Take some wine. Regarde, la peinture blanche, ça va peut-être comme le make-up à Jeff. C'est blanc. C'est Jeff. T'as demandé pour combien de personnes, merde? Fait que finalement, on a décidé de peinturer la table bleue. Sincèrement, ça fait genre 3 fois qu'on change la couleur de table. Capable. Mais sur le tapis, la gang, ça va être insane. Et là... Ah! Allô? Hey, on est malade. Et là, on pense écrire peut-être en haut. C'est quoi ici déjà? Montre-toi le bing. Montre-toi le bing. L'autre miroir. Ici, flash-moi ça. Flash-moi ça. Là-bas, on va mettre des petits trucs à bonbons comme ça pour se servir. Et on va écrire. T'es pas gêné. Wow! Oh, ouais. So beautiful. So beautiful. Not like you. Not like you. Ça va être tellement beau. Ça va être bon, les amis. Moi, je pense que ça va être nice. Woo! Ok, mettez-le sur le miroir. Oh my god! Il y a de la colle en plein. Impossible! Je sais pas si on va l'avoir la gang celle-là. Oh my god, Big, c'est l'élément le plus beau, je pense, de la place. Là. Je sais, mais comme c'était une bonne idée pour pas maganer le miroir. Je pense que ça le fait. Peut-être. Gang, j'ai tellement mis de peinture sur mon suçon là, que ça l'a fait fondre. J'ai juste fondu. J'ai juste fondu, mais. Hey, comme. 20 fois ce qu'on lui a dit, arrête de mettre de la peinture, il y en a à côté. Je vais remplir les trous, merde, tu vois. Regardez, fondu d'habit, là. Fongé à moelle. Je viens juste de revenir du magasin pour acheter des bonbons. Mais la gang, j'ai acheté ça en vrac, là. Je pensais jamais que des bonbons c'était cher de même, mettons, là. J'ai fait le saut à la caisse, là. Guys, ça m'a coûté 400$ de bonbons. 400$. Le sac était tellement lourd de bonbons que j'avais de la misère à le lever. Je sais pas si ça pèse combien, mais c'était vraiment lourd. Puis dans le fond, c'est parce que dans le store, on veut mettre sur le mur comme des racks de bonbons, puis que les gens, ils vont pouvoir tourner, se remplir des petits sacs de bonbons. Puis on va les donner gratuitement en échange de comme des petites stories en magasin. Fait que si tu promouvois un peu le magasin, t'as droit à un petit sac de bonbons gratuit. C'est quand même vraiment cool. T'sais, on essaie que le magasin coûte pas trop cher vu que pour l'instant on l'ouvre juste pour une période de 2 mois. Fait qu'on essaie de faire plein de trucs homemade, trouver des trucs sur Marketplace pour pas que ça coûte trop cher. Puis là, moi je m'envoie au truc de bonbons pis ça me coûte 400$. Je suis comme cool. On peut juste recevoir notre masque là, Jump, pour le magasin. Là, ça va être tellement beau, les gang. On va mettre ça. Avoue que c'est beau la couette, c'est insane. Fait que ça va être la couette, elle va être jaune comme ça. Puis la couette va être blanche avec le drap jaune. Puis après, on va mettre plein de petits coussins trop cute. Puis je sais plus son rendez-vous aussi. Fait que ça va être insane. On vient juste de mettre genre les draps, mais la gang, c'est les draps de Jump. C'est l'affaire la plus soyeuse au monde, je pense. Puis le lit, moi j'ai le même à la maison, là. J'ai le lit King. Puis pour vrai, c'est un game changer. Tu l'as-tu le lit Jump, toi, Marie-Lou? Non, je l'ai pas. Je peux-tu l'avoir? OK, guys, il est rendu 10h. La veille de l'événement, l'avant-veille de l'événement, je pense qu'on a réussi. Il manque quelques éléments vraiment importants, genre l'affiche qui n'est pas encore arrivée puis on est la veille. Puis un néon qui marche pas derrière l'affiche puis c'est genre l'élément central, mais on va y arriver. Dans le fond, on n'a pas trouvé d'électricien. Fait qu'on s'est dit, le chum à Nadia, qui est une de nos employées, fait un peu les circuits électriques, puis est comme, guys, fait juste l'enlever, rajouter d'autres néons. Fait que c'est ça qu'on va faire, mais oh, je dévoile pas encore, je dévoile pas le final encore. Non, je vais vous le dévoiler demain, demain. Mais là, guys, on a, je pense, les toilettes les plus sales du store en entier. C'est genre des toilettes horribles. Puis là, Cass, là, c'est genre
Tout le monde veut Cass comme employé. Je vais pas vous dire son nom de famille parce que je veux pas que personne l'engage. Mais Cass, c'est un employé modèle, OK? Puis là, elle s'est dit, moi, je vais faire les toilettes. Mais Cass fait les toilettes. Cass? Oh, Cass! Guys, est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est techniquement propre? C'est genre... On dirait que c'est des toilettes abandonnées. Checker le lavabo, c'est genre... Guys, on part de loin, là. Tu sais, quand on vous disait qu'on avait un store à faire en 3 semaines? Ben, c'est ça. Let's go, Alex. Je te donne l'honneur d'enlever ces papiers. It's time to shine. Shine bright, bitch. Yes, sir, Alex. Comment tu te sens? Tu pensais-tu faire ça aujourd'hui? Fini, guys. J'ai probablement mis plus d'heures dans le store dans les 4 dernières semaines que t'en as mis à ta job dans les 8 derniers mois. Ah, calme-toi, Alex. Ok, les 5 derniers. Hey, je suis là, gang. C'est tout à cause de moi, le store. C'est ça. Ah, c'est pas vrai, là, je prends zéro crédit, là, je voulais juste être un peu dans le truc. Fait que là, ici, on va avoir notre table de nourriture. Il y a la machine à popcorn. Ça, c'est notre petite place pour faire des petites photos. Ça, c'est Cass. Ça, c'est le miroir qu'on a tellement eu de la misère à poser, mais il est incroyable. Ça, c'est tous les sous-vêtements et les tracksuit pop. Ici, il y a Self Rituel qui est juste ici. Leurs produits sont tellement bons, ça n'a aucun sens. On a notre matelas et nos oreillers Jump, qu'on adore. Après, il y a le linge A ici, qui est ici. Leur linge, c'est juste trop beau. Il y a vraiment, tu sais, comme tous les styles. Ça, c'est les petits lainages, les petites robes de Noël. Fait que tous les petits vêtements chics à côté. Sinon, il y a Bertal Bougie, avec toutes ces bougies ici, qui sentent tellement bonnes. Après, il y a Jess qui sert à rien. Il est tellement ouais. Ici, il y a les lunettes fumées Ocovision. Après, l'autre côté, ça, c'est les lunettes bleues là, pour, avec l'ordinateur. Ça, c'est Stay Child. Trop beau leur coton watté. J'adore leur couleur. Ça, c'est M Pompon, leur tuque. Il y a des tuques aussi avec des pompons vegan. Noma Café. Les petits cafés ici, infusés. Ça prend juste une cuillère que tu mets dans ton café. Fait que ça fait plein de café. Je ne me rappelle pas exactement combien de café ça fait, mais ça en fait vraiment beaucoup. Ça, c'est nos cadeaux pour les médias et influenceurs. Il y a les bijoux ici, FG Watch. Il y a les bijoux à Pigeussi. On est reste encore à tout ramasser. Il y a Nadia qui est juste là. Qui est contente. Il y a Vainy qui est plate, mon bon. Il est plate. Ça, c'est nos belles cabines qui sont majestueuses. Il est marqué tout belle. Puis l'autre cabine, flash-moi ça. Hein, Jess, flash-moi ça, bébé. Flash-moi ça. Hein, oui, flash-moi ça. J'en ai pas tant. Puis là, pour l'événement, ici, il y a les ongles Empress qui vont être là. Fait que là, ça va être une petite place pour poser les ongles. C'est juste qu'on le mettra pas là. Je sais pas trop où on va le mettre, mais c'est ça.